Né en 80 dans la banlieue de Medellín, je ne pensais pas qu'un jour j'en ferais la vitrine, à déambuler dans les ruelles avec des étrangers qui viennent découvrir nos peintures tant convoitées. Enfant, je me faufilais pour aller à l'école, entre les frontières que les narcos traçaient au sol. À chaque coin de rue, je me montrais méfiant, car un seul écart et je ne verrais plus mes parents. Comme une adresse, el pueblo de su padre, comme une adresse, ahora sin muerte, comme une adresse. Sinónimo de arte, como una trece, esa caque. Ainsi que j'ai grandi en jouant au chat à la souris, juste pour aller apprendre, je risquais ma vie. Au bout de quelques années, les militaires ont débarqué pour nettoyer le quartier, ils ont tout assassiné. Enfin libérés, nous pouvions sortir sans crainte. Nous avons exprimé nos joies sur les façades peintes, mais les paras sont restés car la place était à prendre. Le couvre-feu est revenu, il fallait choisir sa banque comme on a pressé. El pueblo de su padre comme on a pressé. Ahora si muerte comme on a pressé. Sinónimo de arte. Puis on s'est réveillé, on a repris le contrôle, laissant le choix aux dealers entre la fuite et la tôle. Quelques élus honnêtes sont alors venus nous aider en désenclavant les rues du haut de la cité. L'art, l'éducation, la culture se sont ainsi installés. Chacun des habitants reçoit maintenant du respect. Aujourd'hui, je suis fier de vous promener ici afin de vous faire découvrir les murs de mes amis comme on a tressé. El pueblo de su padre como una trece. Ahora sin muerte como una trece.